Manon Aubry, ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam France sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités, diplômée en affaires internationales et droits de l'homme, auteur de plusieurs rapports sur les inégalités et le partage des richesses. Manon Aubry, c'est à vous, vous avez 4 minutes. Bienvenue. Bonjour, bonsoir à tous, ravie d'être là. Vous l'avez dit, j'ai travaillé en effet pendant des années pour Oxfam dans le secteur associatif sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et de lutte contre les inégalités, donc la question de la protection sociale en est au cœur. Et puis je voulais saluer aussi le travail fait par les mutualistes, les associatifs, les syndicalistes sur le sujet. Moi je voulais commencer cette intervention en vous racontant une anecdote. Je reviens d'Amiens où j'étais en meeting hier et on a rencontré les salariés de Whirlpool et de Prima, Prima étant le sous-traitant de Whirlpool. On se souvient tous de l'histoire de Whirlpool à Amiens puisque les candidats à la présidentielle s'y étaient précipités il y a à peine 2 ans, pour annoncer sauver l'emploi face aux délocalisations annoncées de Whirlpool en Pologne. Et 2 ans plus tard, c'était l'occasion de revoir les salariés avec François Ruffin, qui les suit au quotidien et qui suit leurs mésaventures, malheureusement. Et on voit que 2 ans plus tard, les promesses faites n'ont pas été tenues. Et ce sont autant de vies brisées que j'ai vues face à moi, autant de gens qui souffrent de cette Europe sociale qui n'a pas tenu ses promesses. Et je crois que leur anecdote et leur histoire parlent pour l'Union européenne telle qu'elle est construite à l'heure actuelle et les difficultés auxquelles elle fait face. Et donc, concrètement, ce sont des délocalisations qui se déroulent au sein même de l'Union européenne. Plus de 6000 emplois qui sont détruits chaque année en France et qui sont délocalisés au sein de l'Union européenne, le tout face notamment au dumping social européen. Et je pense, pour faire face à cette question, je voulais vous faire quelques propositions pour répondre à ces défis. Parce que je pense foncièrement que si on ne fait pas l'Europe sociale, eh bien l'Europe va continuer à aller droit dans le mur, continuer à créer du rejet, continuer à créer aussi des drames humains, puisque des délocalisations, on pense aussi à Goodyear dans la région d'Amiens. Parmi ces propositions, il y a une proposition de l'harmonisation sociale. Alors je sais qu'elle est faite depuis un certain nombre d'années, j'ai beau avoir que 29 ans, je l'ai entendue à chaque campagne électorale. Et c'est quoi l'enjeu de l'harmonisation sociale? C'est de faire en sorte que nos droits sociaux et notre rémunération ne soient pas tirés vers le bas à l'heure où les écarts de salaire sont de 1 à 10 au sein de l'Union européenne. Nous formulons la proposition d'un SMIC européen à hauteur de 75% du salaire médian dans chaque pays avec des critères de convergence. C'est important d'avoir des critères de convergence parce que du jour au lendemain, ce serait mentir que de dire que nous aurons un niveau de SMIC commun à toute l'Union européenne, mais il faut faire des paquets de pays, entre d'un côté l'Europe de l'Ouest notamment, l'Europe de l'Est, pour aller vers cette harmonisation sociale. Une deuxième proposition que je voulais faire en lien, c'est le protectionnisme solidaire. Le protectionnisme solidaire, c'est simple, c'est protéger nos emplois au sein de l'Union européenne. Arrêter de signer à tour de bras, comme le fait l'Union européenne, des accords de libre-échange qui fait qu'on fait venir et produire des marchandises à l'autre bout de la planète alors qu'elles sont produites ici en France. On peut prendre un exemple assez symptomatique d'un traité de libre-échange que l'Union européenne est en train de signer, un traité avec la Nouvelle-Zélande qui demain va faire venir du lait de la Nouvelle-Zélande, on ne fait pas plus loin de la planète, en France, alors que du lait est produit en France et qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Et dernière chose que je voulais mentionner, c'était évidemment les questions de santé, et en particulier les questions de santé environnementale. Je sais qu'il a été aussi question notamment du glyphosate précédemment. Nous sommes évidemment pour son interdiction immédiate, mais je crois qu'il faudra être cohérent. Et je voulais là-dessus notamment souligner l'importance de la cohérence en France, puisque la France vient de valider l'autorisation à produire ici en France des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Et donc pour cela, il faut être cohérent et ne pas continuer à empoisonner le reste du monde. Et je finis juste à temps. Et on en a parlé avec Nathalie Loiseau pas longtemps avant que vous arriviez. Merci Manon Aubry, je vous invite à nous rejoindre. Marc Bassette est avec moi. On va poser des questions relativement concrètes, celles issues d'abord des consultations citoyennes. Il se trouve que la prise en charge de la perte d'autonomie apparaît comme un des sujets prioritaires pour les Français qui ont été consultés. Est-ce que par exemple, d'abord, qu'est-ce que vous proposez en la matière? Et est-ce que par exemple, l'intelligence artificielle vous semble être une piste à suivre au niveau européen pour prendre en charge la perte d'autonomie? D'abord, je voulais vous dire que c'est un sujet essentiel pour nous. Je crois que personne, tout le monde, pardon, a été confronté à un moment ou à un autre à gérer ses parents, ses grands-parents.
Et moi, j'en ai fait l'expérience aussi avec mon grand-père. Et quand on se retrouve à faire le tour des EHPAD et qu'on voit le coût exorbitant de ces EHPAD, près de 2000 euros en moyenne, quand la retraite moyenne est de 1400 euros en France. Et donc, la vraie question qui est posée, c'est comment on prend et on soigne et on accompagne nos personnes âgées. Et au niveau européen, comment on prend cette idée ? Et au niveau européen. Alors d'abord, nous, sur notre liste, on a Anne-Sophie Pelletier qui est cinquième sur la liste et qui est aide-soignante en EHPAD et qui sera notre spécialiste demain au Parlement européen puisqu'elle est en position éligible et qui portera la défense d'un service public de soins aux personnes âgées, puisque c'est le défi qui nous attend avec le vieillissement de notre population. Et donc, concrètement, comment on fait ? Eh bien, aujourd'hui... Je pensais à l'intelligence artificielle comme piste, puisque ça apparaît comme... L'intelligence artificielle, ça ne suffira pas. Quand vous êtes... Mais voyons les choses de manière concrète. Quand on a une personne âgée face à nous, l'intelligence artificielle ne sera pas suffisante. Elle a besoin d'un accompagnement humain. Et pour ça, il faut davantage de personnel. Et pour ça, il faut des structures publiques de soins aux personnes âgées. Donc pas de champion européen de l'intelligence artificielle. Ça peut être un outil, mais ça ne doit pas être l'outil prioritaire. Ce qu'il faut, c'est davantage de personnel. En moyenne, il faut 60 personnels pour 100 personnes dans des EHPAD. On est très loin aujourd'hui de cet objectif en France. On est à moins de 30. Voilà concrètement, mais pour ça, il faut se donner les moyens d'agir. On ne va pas se mentir, ça coûte de l'argent. Et il faut faire un choix d'investissement dans des structures publiques, quitte également à ne pas respecter la règle des 3% de déficit, quitte à encadrer strictement les groupes privés, comme le groupe Korian, qui fait des dizaines de millions de bénéfices sur le dos des personnes âgées. Et je pense que la santé n'est pas à vendre. Parmi vos propositions, il y a celle de reconnaître la fin de vie assistée dans toute l'Union. J'imagine que vous le savez, la Grèce, la Roumanie, la Croatie, la Pologne et d'autres punissent l'euthanasie parfois à des peines aussi lourdes qu'un homicide. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on les convainc sur ce point ? Les questions de bioéthique au niveau européen, c'est compliqué. Il y a aussi d'autres États qui l'autorisent, comme en Belgique notamment. Donc c'est toujours la question, est-ce qu'on fait l'Union européenne en faisant le moins disant ou en faisant le mieux disant? Et concrètement, c'est un petit peu comme l'IVG il y a quelques dizaines d'années. Certains pays l'autorisaient dans l'Union européenne et d'autres pas. On a aujourd'hui encore juste 3 États qui interdisent l'IVG. Et là, c'est la même question. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'en France, ce n'est pas autorisé. Et donc, les Français se rendent en Belgique. Donc, je pense qu'il faut harmoniser par le haut et qu'il faut discuter. Par le haut, c'est vous qui le dites, ce sont des questions extrêmement sensibles, bien de sûr, bioéthique, bien de sûr, toucher à l'intime des et gens. Je ne dis pas ici qu'il faut l'imposer aux autres États, mais ce dont on parle, c'est donner la possibilité à des personnes âgées de choisir leur fin de vie. Et je pense que dans un État comme le nôtre en France, où on parle de liberté qui est inscrit au fronton de nos mairies, ça doit être et ça peut être un choix. Aujourd'hui, ce n'est pas un choix. Et donc, il faut encourager l'Union européenne à aller dans cette direction. Il y a tout le moins, il faudrait, je pense, montrer la voie en France. Vous parliez d'une interdiction immédiate du glyphosate. C'est l'idée que vous souhaitez porter. On parlait tout à l'heure de parlementaires européens qui témoignaient, qui parlaient de leur combat pour l'interdiction du glyphosate. Et ils disaient que ça avait été 28 mois de combat acharné, notamment contre les lobbies dont vous parlez beaucoup. Donc, comment vous comptez faire pour avoir une interdiction rapide, immédiate ? Vous savez, les lobbies, je les connais bien parce que dans mon métier à Oxford, je passais mon temps à essayer de convaincre des députés européens, convaincre des ministères qu'on peut agir, qu'on a les solutions pour lutter contre l'évasion fiscale notamment, et je faisais face aux mêmes lobbies. Ce sont des grands groupes privés qui sont organisés au niveau européen. Il y a plus de 1000 lobbyistes. Donc vous connaissez leur puissance, vous savez. Et je connais leur puissance de nuisance. Mais ce dont je suis sûre, c'est que face aux lobbies, rien de tel qu'avoir au Parlement européen des parlementaires de combat, des hommes et des femmes qui sont là parce qu'ils ont une compétence spécifique qu'ils vont défendre. Moi, en ayant travaillé sur l'évasion fiscale, je peux vous dire que quand les lobbies viendront à toquer à ma porte, déjà, je pense qu'ils ne s'intéresseront pas beaucoup à moi, et ce n'est pas moi qui viendront voir en priorité. Et donc, il faut des gens qui puissent leur tenir tête et ne pas être sensibles à leurs arguments. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il faut évidemment davantage de régulation dans les lobbies qui n'ont aujourd'hui aucune obligation puisque le registre est facultatif au niveau européen. Il faut encadrer strictement le pouvoir des lobbies. Ils peuvent être utiles comme expertise, et donc on peut évidemment les consulter en tant qu'expertise, mais aujourd'hui, leur pouvoir est démesuré. On l'a vu dans le cadre du glyphosate que vous évoquiez. Précisément, si le glyphosate a été réautorisé pendant 5 ans au sein de l'Union européenne, les Monsanto Files l'ont prouvé, c'est 100 pages de copier-coller entre un rapport de Monsanto et un rapport de la Commission européenne, les mêmes Monsanto qui financent
tous les groupes européens, sauf les Verts et le groupe de la France Insoumise, et qui finance notamment le groupe ALDE, auquel appartient un député de la majorité de La République En Marche. Donc je pense qu'il faut être plus que jamais ferme sur la question des lobbies. Marc Bassette, pour quelques minutes. Oui, bonjour Manon Aubry. Votre parti veut, je cite, la sortie des traités européens. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise Frexit, mais je ne vois pas quelle Union européenne il y a en dehors des traités européens aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire l'Europe sociale en sortant des traités européens ? Je vais vous dire et je vais vous répondre. Ce n'est pas ce qu'on veut, l'Europe sociale, qu'on veut rompre avec ces traités européens. Pour bien comprendre ce dont il s'agit et ce que nous disons sur les traités européens, c'est que ces traités européens, à l'heure actuelle, tels qu'ils existent, posent des freins, des obstacles. Je vais au bout de ma démonstration parce qu'elle est importante. Pose des freins et des obstacles à la réalisation du projet politique que nous portons en matière sociale, puisque ça rend quasiment impossible l'harmonisation sociale, ça rend impossible l'harmonisation fiscale avec la règle de l'unanimité des États membres. On n'a pas le contrôle sur la politique monétaire, puisque la Banque centrale est indépendante. On ne peut pas faire de protectionnisme solidaire que j'évoquais pour mettre des taxes à nos frontières et arrêter de faire venir de l'autre bout de la planète des marchandises. Le libre-échange est inscrit dans l'ADN des traités. Bon, je pourrais continuer la suite des exemples qui posent les freins et les obstacles de ces traités européens actuels. Ce que nous disons, c'est que ces traités européens-là ne sont pas inscrits dans le marbre. D'ailleurs, sur les 20 dernières années, en moyenne, il y en a eu de nouveaux tous les 5 ans. Donc que voulons-nous dire quand on dit sortie des traités européens actuels ? Ce n'est pas dogmatique, c'est pragmatique pour mener cette politique concrètement. Nous disons aux autres États européens, nous vous proposons de renégocier ces traités européens pour faire l'Europe sur d'autres bases, et notamment sur une base de progrès social. On pourrait poser un SMIC européen dans le cadre de ces traités européens, c'est notre plan A. Dans l'hypothèse où l'ensemble des États membres n'est pas d'accord, eh bien nous disons, voici la liste des dispositions qui nous posent problème, qui nous empêchent de mener la politique que nous voulons mener en matière sociale, écologique, notamment ne pas respecter la règle des 3% de déficit qui empêche d'investir massivement dans la transition écologique. Et nous disons, à l'aide du rapport de force que pèse la France dans l'Union européenne, qui est la deuxième économie européenne, qui est aussi 16 milliards de contributions au budget européen, eh bien nous disons, ces politiques-là, parce qu'elles sont austéritaires et parce que les Français en payent le prix, eh bien nous ne les respecterons pas. Et je pense qu'avec nous, nous pouvons emmener dans notre sillage d'autres États européens qui seraient intéressés par ces règles. Et que va faire l'Union européenne ? Il n'y a pas de clause d'exclusion au sein de l'Union européenne, donc ça ne veut pas dire Frexit, simplement c'est se donner les moyens de mener notre politique progressiste. Les traités européens, c'est ce que la Grande-Bretagne est en train de faire maintenant. Pardon ? Sortir des traités européens, est-ce que la Grande-Bretagne est en train de faire maintenant ? Je vous le redis, l'Union européenne ne se résume pas à ces traités européens actuels-là. Je vous le dis, je ne peux pas être plus clair que cela. Nous ne sommes pas en faveur du Frexit, mais nous ne satisfaisons pas de la situation actuelle, qui est celle d'une Europe qui ne tient pas ses promesses en matière sociale, parce que les traités européens inscrivent des contraintes là. Donc nous nous donnons les moyens de lever ces contraintes, lever ces obstacles. Et je crois que finalement, c'est sauver l'Union européenne en faisant cela et que peut-être les plus européens d'entre nous et d'entre toutes les listes, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Marc, vous avez encore une question ? Oui, si je comprends. Rapidement. Vous voyez le modèle social français, les acquis sociaux, comme vous dites aussi, menacés par l'Union européenne, qui, je cite aussi votre poème, a dévoré les acquis sociaux français. Votre parti a soutenu très fermement les Gilets jaunes. C'est un phénomène que beaucoup d'Européens ont suivi avec étonnement, fascination. Très rapidement, Marc, s'il vous plaît. Oui, intérêt. Il va lui rester 30 secondes. En parlant avec des Européens, pas français, quelques-uns se demandent, mais pourquoi ces Français se plaignent-ils ? S'ils ont ce système de protection sociale, ce modèle social aussi avancé, probablement l'un des plus avancés de l'Union européenne et du monde peut-être. Ils se plaignent parce qu'il y a 9 millions de pauvres, ils se plaignent parce que les inégalités augmentent, ils se plaignent parce que la CSG augmente, ils se plaignent parce que la TVA a augmenté de 73% ses recettes ces 20 dernières années, pendant qu'on coupe les impôts des plus riches et notamment l'impôt de solidarité sur la fortune. Voilà ce que disent en substance les Gilets jaunes, partage des richesses, partage du pouvoir, c'est en somme le projet politique que nous porterons aussi à l'échelon européen. Et je m'arrête là-dessus pour vous pas être plus long. Vous êtes parfaitement dans les temps. Merci infiniment, Manon Aubry, d'avoir été notre invitée sur Public Sénat aujourd'hui, dans Place de la Santé Europe, je vous en prie.